Mesdames et messieurs, la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la Banque cantonale de Fribourg, sont heureuses de vous recevoir aujourd'hui pour cette édition 2022-2023 du Prix à l'innovation du canton de Fribourg. Meine Damen und Herren, die Volkswirtschafts- und Berufsbildungsdirektion sowie die Freiburger Kantonalbank freuen sich, Sie heute zur Verleihung des Innovationspreises 2022-2023 des Kantons Freiburg zu begrüßen. Ils sont tous là. Voici les six personnes qui ont dirigé la promotion économique fribourgeoise depuis sa fondation à nos jours. Guy Macheret, Michel Pittet, Rudolf Zurkinden, Thierry Moron, Jean-Luc Mossier et Jerry Kratiger. Réunis à l'occasion des 50 ans de l'institution, ils en ont profité pour partager des anecdotes aussi cocasses qu'inoubliables. À cette époque, l'autoroute venant depuis Hambourg s'arrêtait abruptement à Corpato, vous savez. Ce guide japonais, au moment où on a décollé, il a commencé à commander des bouteilles de rouge, vous savez, ces bouteilles de 1,8 déci, je crois, et il buvait ces bouteilles les unes après les autres. Moi, j'en avais compté, je crois, 7 environ. Il est à côté de moi, à ma gauche. À ma droite, j'avais Pierre-Alain Thiébault. Et bon, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'il a commencé par s'endormir, un sommeil extrêmement profond, sur mon épaule, gauche. Alors, on m'a demandé d'amener un objet emblématique de cette époque-là. Alors, je ne pouvais pas faire mieux que choisir. Je verse au dossier. Pièce. De petites histoires partagées avec les collaborateurs actuels de la promotion économique ainsi qu'avec le président du Conseil d'État. Es ehrt mich sehr, dass Sie heute alle hier sind und ich möchte natürlich die Gelegenheit am Schopfenpark in Ihnen zu danken für die Arbeit, die Sie geleistet haben. Ich glaube, wir sind glücklich heute, dass wir auf einem sehr, sehr soliden Fundament aufbauen können. Invité pour l'occasion, l'historien Jean-Pierre Doran décrit les raisons qui ont poussé le canton à se doter d'un organe de promotion économique. À l'origine, celui-ci s'appelait l'ODEF, Office de développement économique du canton de Fribourg. Le but est d'industrialiser encore plus le canton et de diversifier cette branche de l'économie en passant en gros de l'alimentaire et du bois vers la chimie, l'horlogerie, la métallurgie et la mécanique. Alors la création de l'ODEF a lieu dans ce contexte en 1971 et ce sera un puissant accélérateur de la venue de nouvelles entreprises. En prospectant en Suisse, en Europe et au-delà, ce nouvel organe de promotion économique va décrocher de nombreux succès. Mais le tableau n'a pas toujours été aussi idyllique. La crise économique n'a pas épargné le canton. Je me rappelle encore très bien notamment de l'été 1996. Fermeture de Sivagaigi, annoncement de fermeture de Cardinal quelques semaines après. Et puis la première question qu'un journaliste de Radio Fribourg me posait en direct avec le public, M. Zurkinden, est-ce que Fribourg est un canton sinistré ? Des difficultés conjoncturelles avec lesquelles il a fallu composer tout en gérant des relations pas toujours faciles avec les médias. C'est moi qui ai reçu un téléphone de Roger Diesbach, rédacteur en chef à l'époque de La Liberté. À 8h du matin, il m'appelle et il me dit « Vous voulez la mort de mon journal ?» Et je vous assure, je tenais l'écouteur, à l'époque c'était pas le Natel, à distance, parce qu'il m'injurie, il me dit « Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et qu'est-ce qui s'était passé ? Bien, le Nouveau Quotidien venait de publier à sa une que Tupperware s'implantait à Fribourg. Scandale, un titre lémanique qui brûle la politesse à un quotidien local. La promotion économique doit alors déployer des trésors de diplomatie et de tact pour recoller les pots cassés. Et quand une prestigieuse entreprise américaine vient frapper à la porte sans préavis,
il faut savoir faire preuve de souplesse et de réactivité. Boeing nous avait dit qu'ils étaient en ville et puis qu'ils voulaient vendre leurs affaires compensatoires. Et puis, nous, on leur avait dit très gentiment, écoutez, on vous reçoit très très volontiers. On avait ça en l'espace de 3 jours. On a réussi à rameuter l'ensemble des acteurs de l'aéronautique fribourgeois pour qu'ils aient finalement l'opportunité de présenter leur savoir-faire à Boeing. Et puis, j'ai dit très clairement à Boeing, écoutez, nos avions ne vous intéressent pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer l'écosystème fribourgeois et en quel point ça peut devenir intéressant pour vous pour avoir ces experts comme fournisseurs. Ça, c'est une histoire. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est la réactivité. L'utilité de la promotion économique n'est dès lors plus à démontrer. Alors le rôle est capital puisque des dizaines et des dizaines d'entreprises nouvelles sont venues à Fribourg et elles ont généré des milliers d'emplois. Les exemples sont nombreux. Durant son demi-siècle d'existence, l'institution a contribué à de belles implantations, comme celle de Liber à Bulle en 1978. De Michelin à Grange-Paco en 1988, puis à Givisier, ou encore d'UCB Farchim à Bulle en 1996 et Nespresso à Romont en 2015. Ces gros coups, sans la promotion économique, ils n'auraient pas eu lieu et puis ils ont eu un impact qu'on a remarqué dans la durée. Au fil du temps, la promotion économique a aussi développé des prestations pour soutenir les entreprises locales déjà existantes ou sur le point de voir le jour. Un volet qui représente aujourd'hui les 70% de son activité. Ce domaine s'est encore vu renforcé par la nouvelle politique régionale lancée par la Confédération en 2008. Son objectif, encourager l'innovation dans les secteurs de l'industrie et du tourisme. Ce nouvel environnement a favorisé la création du parc technologique de Blue Factory en 2014, un site dédié à l'innovation qui génère de nouvelles synergies. Les collaborations avec les hautes écoles se sont multipliées. Autant Blue Factory a été une prise de tête monumentale dans le monde politique fribourgeois, autant à l'extérieur du canton, sur la côte lémanique, à Zurich, il a positionné le canton de Fribourg comme un acteur crédible dans le développement lié à l'innovation. Nos 6 directeurs ont aussi profité de cette rencontre pour discuter de l'avenir du développement économique régional. Celui-ci s'appuiera notamment sur le secteur agroalimentaire, une activité traditionnellement forte dans le canton. Cette agriculture, on peut l'utiliser aussi pour faire du développement économique avec la stratégie agroalimentaire, avec aussi la stratégie de développement économique qu'on a mis en place avec la bioéconomie et puis l'industrie 4.0. On peut utiliser ces forces, les positionner et puis aussi faire en sorte à ce que ces secteurs deviennent innovants et performants. Le potentiel économique à 10 ans, il est magique dans le canton de Fribourg. Aujourd'hui, Fribourg est le canton dont la population est la plus jeune de Suisse. Un vivier hautement qualifié qui saura répondre aux besoins des entreprises de demain. Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Président du Gouvernement, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren. Vous venez de le voir, ce soir nous sommes ici pour fêter les 50 ans de la promotion économique fribourgeoise, mais bien plus que cela, nous sommes ici pour célébrer les 9 finalistes du prix à l'innovation du canton de Fribourg. Der heutige Anlass steht im Zeichen von Tradition und Ambition. 2 scheinbar gegensätzliche Attribute, Eigenschaften, die der Kanton Freiburg perfekt zu verbinden vermag. Und dies, meine Damen und Herren, seit jeher. Wir leben und pflegen Traditionen wie in kaum einer anderen Region der Schweiz. Und gleichzeitig haben wir den Willen, etwas gut und wenn möglich noch besser zu machen. Besser als bisher und besser als anderswo. Tradition et ambition, il y a 50 ans, en 1971 pour être précis, quelques politiques du canton
ont eu l'ambition de créer une promotion économique cantonale. Tout d'abord avec une petite équipe de 2 personnes sous la direction de Guy Macheret, auquel je souhaite aussi la cordiale bienvenue. Bonsoir Guy. L'office sous sa direction a été progressivement agrandi et renforcé. Et nous l'avons vu, l'ODEF de l'époque a eu rapidement des succès et nous pouvons tous en être très heureux de ces résultats durant les 50 premières années d'existence de la promotion économique cantonale. Cette fonction de promotion économique, elle a été cruciale et elle est cruciale pour le développement économique du canton. J'ai aujourd'hui ce privilège de poursuivre le travail engagé et impactant de 5 hommes que j'invite à se lever. Alors, dans l'ordre chronologique, il s'agit de Guy Macheret. Merci de te lever. Il s'agit de Michel Pittet. Il s'agit de Rudolf Zurkinden, de Thierry Moron et Jean-Luc Mossier, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous ce soir. En fait, ces personnes, elles ont joué à différents moments de l'histoire économique du canton un rôle clé. Ils ont contribué à positionner le canton de Fribourg comme un canton innovant et ambitieux, dans lequel il a fait bon croître, il a bon fait s'établir. Et effectivement, on peut dire que Fribourg est « the place to grow ». Et je pense, chers membres du public, que pour leur service, pour leurs nombreuses années de travail, ils ont mérité un applaudissement. Vous pouvez vous asseoir. Promouvoir l'innovation, c'est aussi une tradition et une ambition. Dans le canton de Fribourg, avec ce prix à l'innovation qui est remis depuis 1991 sous l'impulsion de Michel Pittet aux entreprises les plus innovantes de ce canton. Alors ce soir, nous allons découvrir les 9 entreprises finalistes de l'édition 2022-2023 du prix à l'innovation du canton de Fribourg. Alors ces 9 peuvent être très fiers de faire partie des nominés. Les 9 sont finalement vainqueurs, même s'il n'y aura que 3 prix qui seront remis ce soir. Ils peuvent être fiers car ils ont été sélectionnés parmi 38 excellents dossiers qui ont été soumis au jury. Und diese Jury mit 13 Damen und Herren aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, hatte die Aufgabe und die Ehre, die 38 eingereichten Projekte zu beurteilen. Ein großes Dankeschön an alle Jurymitglieder. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, für Ihre Kommentare, für die angeregten Diskussionen. Und als Jurymitglied ist es immer wieder faszinierend, die Kreativität, die Vielfalt, die Innovationskraft und die Ambitionen der Freiburger Unternehmen kennenzulernen und etwas näher zu erleben zu dürfen. Ce soir, nous allons remettre 3 prix. Nous allons remettre le prix Startup, qui est doté de 30 000 francs. Donc c'est un prix pour les jeunes pousses, des entreprises ayant moins de 5 ans. Et comme vous le savez, à ce stade de développement, ces entreprises ont besoin d'espèces sonnantes et trébuchantes. Donc c'est pour ça que le prix est plus important que pour les 2 autres prix. Le prix Entreprise, qui est doté de 10 000 francs. Et ça, c'est pour les entreprises créées avant 2017. Et nouveauté de cette année, le prix économie durable, qui est doté de 10 000 francs également. Et ce prix est décerné à un projet qui s'inscrit dans la durabilité, qui a un impact également au niveau sociétal, environnemental ou économique important et qui s'inscrit dans les objectifs du SDG. Je passe maintenant la parole à Roman Ebischer, qui va animer cette remise des prix ce soir. Also, guten Abend, Roman. Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin hier auf der linken Seite. Besten Dank, Herr Krattiger. Jetzt übergebe ich Ihnen. Großen Applaus für Herr Krattiger. Merci beaucoup, Direktor der Wirtschaftsförderung Freiburg. Merci beaucoup, Monsieur Krattiger, Direktor de la Promotion économique du Canton de Fribourg, PROMFR. Ja, meine Damen und Herren, auch ich freue mich natürlich ganz sehr, sehr hier wieder auf der Bühne sein zu dürfen und euch durch diesen Abend zu führen mit ganz vielen tollen und innovativen Unternehmen, die besten des Kantons Freiburg. Und in diesem Sinne herzlich willkommen auch von meiner Seite, einerseits an die Leute, die hier im Saal sind und natürlich an all die, die uns über den YouTube-Livestream mitverfolgen.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au prix de l'innovation du canton de Fribourg 2022-2023. Oui mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement déjà remarqué pour ceux qui ne sont pas là la première fois ce soir. Moi j'ai malheureusement pas ma partenaire charmante à côté de moi, Elodie Croza que vous voyez là-bas derrière. Mais elle a une très très bonne raison pour ne pas être là ce soir. Elodie est en effet enceinte et pourrait devenir maman à tout moment. Et vraiment à tout moment en ce qui concerne sa vie. Une innovation est donc définitivement en marche et je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir à nouveau monter sur scène avec elle dans 2 ans si tout va bien. En attendant, vous devrez, mesdames et messieurs, vous contenter avec moi seul ce soir ici sur scène, mais je pense ou bien j'espère que cela ne vous dérange pas non plus parce que c'est égal en fait si moi je suis seul ou bien à deux, les entreprises qu'on va pouvoir accueillir ici sur scène ce soir vont être incroyables. In diesem Ja, wird die Freiburger Wirtschaftsförderung wiederum Preise vergeben. Wir haben es gehört, 3 verschiedene Kategorien. Einerseits ist das die Kategorie, die wir vorhin gesehen haben mit Startup, dann aber eben auch die Unternehmen und auch noch Kategorie in der Nachhaltigkeit. Et je dirais que nous commençons tout de suite avec la première catégorie, la catégorie dans laquelle les entreprises peuvent gagner ces 30 000 francs. Il s'agit de la catégorie Startup. Dans cette catégorie, les entreprises qui ont été créées à partir de 2017 et qui se sont développées depuis parfois à petits pas, parfois à grands pas, pouvaient s'inscrire. Les entreprises start-up qui se sont hissées parmi les 3 meilleures cette année sont les entreprises Low Impact Food, Neuria et Spirecut. Und wie in jedem Jahr könnt ihr, meine Damen und Herren, hier dann nachher auch noch weiter mit abstimmen, um zu entscheiden, welches dieser 3 Start-up-Unternehmen gewinnen wird heute Abend. Du coup, il faut déjà avoir le smartphone quelque part près de vous, aber das wird dann nach dem Film wichtig sein. Mais avant de passer au vote du public, vous allez découvrir ces 3 entreprises un peu plus en détail et je dirais, lancez le film. Installée sur le site d'Agrico à Saint-Aubin, la start-up Low Impact Food a été fondée en 2021 par Simon Meister et Camille Wolf. 2 ans plus tôt, alors qu'ils étaient encore étudiants à l'EPFL, ils ont l'idée d'utiliser des insectes comestibles pour revaloriser efficacement la biomasse. Un concept d'économie circulaire locale dans l'air du temps. Notre innovation est de réutiliser des déchets issus de l'industrie de la boisson pour nourrir des insectes comestibles. Donc on utilise des drèches de brasserie qui sortent des brassins des brasseurs et des pulpes de fruits issues des pressoirs à fruits. Donc on fait un mix avec ça et on les donne à manger à nos insectes. Donc on a un élevage. Ces insectes s'en nourrissent, grandissent et ils sont récoltés ensuite pour en faire des produits dans l'alimentaire. Ce qui est aussi intéressant avec ce concept, c'est qu'on est dans un cadre d'économie circulaire, car même nos propres déchets, ici on a des déjections d'insectes qui sont appelées de la frasse, qui peut être utilisée comme engrais, qui a d'excellentes propriétés et qui est aussi produit localement. L'avenir de Low Impact Food pour nous est tout d'abord à court terme, on souhaite déjà bien s'implanter dans le canton et se positionner en tant que producteur et distributeur d'aliments à base d'insectes. Et à plus long terme, on ne souhaite pas forcément faire un élevage énormissime, mais en fait de répliquer un modèle d'élevage de taille moyenne en Suisse, en Europe, de par le monde, afin de se rapprocher des coproduits, des déchets, on va dire, disponibles pour nourrir les insectes. Situé à Blue Factory, Neuria est un spin-off du laboratoire de neurosciences cliniques du Dr Spirer à l'Université de Fribourg. Fondée en 2021 et spécialisée dans les thérapies digitales, la société est une start-up fribourgeoise pure souche. Elle peut compter sur ses 5 collaborateurs ainsi que sur des experts externes pour son développement. Notre innovation,
c'est une thérapie digitale. Une thérapie digitale, c'est un logiciel qui permet d'améliorer la santé. Ce que nous avons découvert, nous, c'est des tâches qui, quand on les pratique, permettent d'induire une plasticité, une modification du système de la récompense très profond dans le cerveau. Et ce système détermine ce que nous aimons dans l'environnement. Et ce que nous aimons, nous allons le consommer. Et ce que nous consommons va déterminer notre santé. Concrètement, les gens sont en face de logiciels que nous présentons sous forme de jeux pour favoriser leur pratique et l'immersion des gens. Et simplement, ils doivent jouer à ces jeux. À force de jouer, le cerveau va être modifié d'une telle manière qu'ils vont moins aimer certains aliments malsains, par exemple, ce qui va moduler leur consommation et améliorer leur santé. Nous prévoyons une expansion exponentielle puisque nous visons des pathologies à très haute prévalence comme l'obésité, le tabagisme, le diabète ou l'alcoolisme. Ça concerne un très large bassin de population et pour les atteindre, nous avons mis en place des collaborations avec des gouvernements, des assureurs et même des universités que nous aidons pour mettre en place leurs recherches. Fondée à Fribourg en 2020, SpireCut est une start-up spécialisée dans les instruments chirurgicaux servant à traiter les affections de la main. En s'inspirant d'une technique inventée par le professeur Fabian Mungondo, les 5 collaborateurs de SpireCut ont élaboré un instrument innovant sous la houlette du professeur Frédéric Schwind. Vous connaissez certainement quelqu'un autour de vous qui a été opéré d'un canal carpien. Les suites sont un peu lourdes, il y a un gros pansement, il y a parfois une immobilisation plâtrée. Chez SpireCut, nous avons développé cet instrument qui permet de réaliser l'intervention chirurgicale de bon air beaucoup plus légère. Cet instrument est produit dans le canton par une industrie spécialisée qui vient d'ailleurs de l'industrie horlogère. Voici comment cela fonctionne en pratique. Nous introduisons l'instrument par ici, sans incision, et progressivement, nous sectionnons le gros ligament qui comprime le nerf. Les suites sont beaucoup plus simples. Le lendemain, le patient peut se laver les mains et reprendre des activités au moins légères. Dans les prochains mois, nous allons obtenir le marquage CE qui nous donne accès au marché suisse ainsi que le marché européen. Nous avons déjà le listing FDA qui nous donne accès au marché américain et nous développons également de nouveaux instruments pour d'autres types de chirurgie percutanée, c'est-à-dire sans incision et sans cicatrice résiduelle, le but étant de devenir le leader international du marché. Ja, das sind sie also. Großen Applaus, genau, schon ein erstes Mal für die 3 Unternehmen, die 3 Finalisten. Und natürlich möchten wir jetzt diese Unternehmen noch ein bisschen besser kennenlernen und sie ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Pour ça, vous pouvez applaudir maintenant pour Simon Meister de Low Impact Food. S'il vous plaît, Simon Meister, venez chez moi, ici sur scène. Rejoignez-moi sur scène. Venez depuis là. Un micro pour vous. Bonsoir, monsieur Maestro. Vous pouvez directement là venir vers cette petite table. On vient de voir la vidéo. Et puis, en regardant la vidéo, je me suis dit, OK, quand est-ce que monsieur Maestro, il a eu l'idée de manger des insectes? Est-ce que c'était quand il était petit, il a joué dehors, il avait faim, il s'est dit, ouais, je vais manger des insectes ou bien des vers de terre ou j'en sais rien? Ou bien c'est devenu plus tard? Alors, j'adore manger plein de trucs, mais bon... Pour être honnête, les insectes, c'est pas quelque chose, moi, à la base, qui m'attire en tant qu'aliment, mais en fait, l'idée, elle est venue un peu différemment. À la base, l'idée, c'était de revaloriser de la biomasse. Et en fait, on s'est rendu compte, justement, que les insectes étaient un excellent bioconverteur, donc qui arrive avec une extrême efficacité à transformer un coproduit, un déchet, comme on dit, en protéines et en gras. Donc voilà, c'est... après c'est là où on s'est dit, bon, ben, on a les insectes, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on va vous les faire manger. Alors juste
peut-être pour faire un petit aparté à ce niveau-là, on avait aussi visé l'alimentation animale. On a eu pas mal de commentaires là-dessus et pas mal aussi de questionnements. Pourquoi on va pas vers l'animal et plutôt vers l'humain? Et en fait, il y a deux raisons à cela. La première est purement financière en termes de rentabilité. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et la deuxième est en fait que les insectes qui sortent de notre élevage, ils ont déjà des protéines d'excellente qualité. Donc, pourquoi attendre encore des étapes? Pourquoi pas directement s'en nourrir? Alors, je sais que voilà, c'est un peu compliqué pour, en tout cas, nous, les Européens, en Suisse aussi particulièrement, pour manger ce type de produit. Mais bon, c'est un pari qu'on lance, quoi. Vous vous souvenez encore la première fois quand vous avez goûté un de ces insectes et puis... C'était comment pour vous? Ouais, alors, les premiers qu'on a goûtés, on avait une méthode de séchage qui n'était pas géniale. Donc, non, ils étaient pas ouf. Ils n'étaient pas fous. Et si vous cherchez un peu sur le net, les premières vidéos qu'on parle de ce projet, ouais. Vous pouvez peut-être trouver une vidéo où je dis « Ouais, les insectes, c'est pas fou au niveau du goût. » Mais j'ai changé d'avis. Donc, vous pouvez... Là, c'est mieux maintenant. Voilà, c'est mieux. Et puis, on a aussi vu dans la vidéo comme quoi la nourriture que vous utilisez pour donner aux insectes, ça, c'est aussi très, très recherché. C'est venu quand, cette idée? Dans le processus où vous avez décidé « Ok, on veut avoir des insectes. » Et puis après, vous avez cherché ou bien c'était avant déjà? On n'a pas cherché... En fait, le coproduit était déjà là. Donc, ma collègue Camille, en fait, elle brasse de la bière aussi à côté. En tout cas, pendant ses études, elle faisait ça à côté. Et en fait, c'est un peu l'anecdote, hein, mais on s'est un peu rendu compte que le brassage de la bière, il y avait beaucoup de coproduits, dont les drèches de brasserie. Et en fait, l'idée est venue de là. On s'est dit, il y a beaucoup de ce type de produits qui sort, notamment aussi les bourbes de vin et aussi les résidus de pressoir à frit. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça et leur donner une nouvelle vie, une meilleure valeur en fait. Et le bassin de brasserie artisanale, microbrasserie, etc. est assez intéressante en Suisse. Du coup, on s'est dit, on va partir sur ce type de coproduits qui sont les drèches de brasserie parce qu'on est sûr d'avoir assez de matière. Voilà. Je suis sûr que les insectes, ils aiment aussi de la bière, en fait. C'est un argument marketing de dire que les insectes sont nourris à la bière, ça marche toujours un peu. Très bien. Et puis, du coup, si on regarde un tout petit peu dans l'avenir, dans quel restaurant, boutique aimeriez-vous voir vos produits à l'avenir? Partout. Ok, non, après, puis, est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, c'est compliqué parce que là, on démarre vraiment le produit maintenant. Moi, j'aimerais bien vous dire partout le plus possible parce que c'est là où on fait de l'argent finalement. Par contre, un truc que je peux vous répondre à ce niveau-là, c'est que ça, c'est plus personnel. J'aimerais bien essayer de faire en sorte que les distributeurs et aussi les clients finaux appréhendent l'insecte comme un produit terroir. Ce qui va être un peu compliqué, mais pour moi, ce serait, on va dire, une étape qui serait assez intéressante, justement, que les distributeurs les présentent en tant que tels, parce que c'est un élevage qui est à côté, qui est à Saint-Aubin. On est nourri avec des coproduits suisses, de la région. Et pour moi, on a, on va dire, les caractéristiques. Après, il faut voir si les gens veulent nous mettre le stempel terroir. Mais pour nous, pour moi, ce serait, on va dire, une réussite au niveau, en tout cas, du canton. Super, vous avez pris des insectes avec après il y en a plein. Là, je peux vous, super, alors vous pouvez goûter les insectes par après. Merci beaucoup, Simone Meister. Low Impact Food, vous pouvez rester chez moi, vous pouvez rester là sur scène. Ouais, on va directement inviter le deuxième candidat, das zweite Unternehmen. Sie wissen ziemlich gut, wie unser menschliches Gehirn funktioniert und ich weiß noch nicht genau, ob mich das jetzt Angst machen soll oder nicht. Sie können mit mir jetzt mit einem großen Applaus hier auf der Bühne, auf die Bühne bitten. Merci d'accueillir Lukas Spierer de Neuria. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Micro, Lukas Spierer. On a vu avant dans la vidéo, vous savez plein de choses de notre cerveau. Du coup, moi, je me suis posé la question, est-ce que vous savez ce que je pense là maintenant? Est-ce que vous connaissez déjà toutes les questions? Je me suis dit que peut-être je préférais une autre entreprise, mais je ne suis pas sûr parce qu'elle est super, la sienne aussi. Ok, alors accompagnez-nous peut-être brièvement lors d'une telle thérapie numérique qu'on vient de voir. Comment dois-je me représenter exactement le déroulement d'une thérapie? Si moi, je viens vers vous, par exemple. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de prendre juste une seconde
avant pour vous dire qu'on est vraiment très fiers, honorés et émus d'être là, l'équipe, et d'avoir été sélectionnés. Donc, cette thérapie, elle s'adresse en fait à toutes les personnes qui souhaitent, pour une raison ou pour une autre, réduire leur consommation d'une classe d'aliments ou d'un aliment en particulier. Ça peut être parce qu'on est en surpoids et qu'on veut réduire le gras, le sucre. Ça peut être parce qu'on a développé une allergie, parce qu'on est intolérant au gluten ou pour toute autre raison. Et les gens nous sont adressés. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est littéralement un jeu d'enfant. On leur propose de jouer à un jeu vidéo pendant une quinzaine d'heures sur un mois. C'est pas beaucoup. Et le fait de jouer va, comme par magie, hein, c'est presque de la magie. Moi, j'ai mis 15 ans de recherche à y croire, ou à découvrir ça et à m'en convaincre. Leur consommation de l'aliment cible va diminuer. Par exemple, qu'est-ce que je dois du coup effectuer si moi je joue ce jeu? Qu'est-ce que je dois faire? On l'a vu un tout petit peu, oui, dans la vidéo. C'est des tâches simples, c'est des tâches motrices, c'est des tâches de réflexe. C'est comme un jeu d'action. On doit répondre ou retenir ses réponses à des images qui sont présentées rapidement. Et en fait, les tâches sont conçues de telle manière à ce qu'elles vont activer, quand on pratique la tâche, des régions particulières du cerveau, le lobe pariétal, le lobe préfrontal, qu'on a très bien ciblé avec nos recherches scientifiques. Et la particularité de ces régions, c'est qu'elles sont reliées, il y a des câbles, des neurones qui relient ces régions au circuit de la récompense, très profond dans le cerveau. Et ces circuits-là de la récompense, c'est ceux qui déterminent ce qu'on veut, ce qu'on aime, ça détermine nos préférences. Et à force de jouer, on va activer de manière répétée ces régions. Elles vont envoyer des signaux dans le circuit de la récompense. Et au final, ce qui va se produire, c'est que les images qu'on a vues, on va commencer à les aimer de moins en moins, et à les vouloir de moins en moins. On les préférera moins. Et évidemment, si on les préfère moins, on va moins les consommer. Très bien. Puis du coup, bah, quand on parle de ces avantages aussi que la thérapie est là, quel est l'avantage, disons, exact de cette thérapie numérique, comme vous l'avez? Quel est le cœur de l'innovation? Oui. Alors, on est très disruptif. Jusqu'à maintenant, si on voulait faire changer les habitudes alimentaires des gens, ce qu'on faisait, ce qu'on fait toujours d'ailleurs, ce que la plupart des régimes font, c'est simplement donner des instructions sur ce qui est bon à manger, ce qui est sain et sur ce qu'il faut éviter. On éduque les gens. On leur donne des instructions, mais après, les gens, ils se retrouvent à la boulangerie, à la Migros ou devant un buffet, comme on va tout à l'heure, et ils doivent faire un effort de self-control parce que ce qu'on leur dit de pas manger, ils l'aiment. Donc, ils doivent faire un effort, ils doivent maintenir cet effort pour éviter de consommer l'aliment cible qu'ils aiment bien. Et ça, c'est frustrant et c'est fatigant. Et c'est pour ça qu'il y a un taux d'échec de 90% des régimes traditionnels, des régimes conventionnels. Donc, nous, on renverse complètement le paradigme. Notre approche ne demande aucun effort, puisque à force de jouer, à force de pratiquer les tâches, les gens vont moins aimer l'aliment cible, l'aliment qu'ils doivent éviter. Et s'ils l'aiment moins, ben, ils vont le consommer moins sans aucun effort, et sans même s'en rendre compte. Est-ce qu'on peut aussi les faire manger quelque chose de plus? Ouais, alors ça, c'est les 10 prochaines années de recherche. Alors là, il y a les insectes qui vont être là-bas. Ok, ben, ouais. Peut-être je vous laisse parler après, ensemble. Merci beaucoup, Lucas Pirer de Neuria, deuxième entreprise de ce soir. Vous aussi, vous pouvez rester là chez moi sur scène. Le dernier finaliste de cette catégorie start-up, il s'agit d'une entreprise qui va sous la peau, vous avez vu avant. Accueillez-moi avec moi Edmond Soula de Spirecut, chez moi ici sur scène. Edmond Soula. Ich habe es quasi direkt aus dem Deutschen übersetzt, auch wenn das so im Französischen nicht genau funktioniert. Ihre Innovation geht unter die Haut. Wir haben es vorhin gesehen. Was für Hauptherausforderungen galt es zu bewältigen, um dieses medizinische Instrument quasi auch wirklich marktreif zu machen? Ja, also in der Medizinaltechnik ist es sehr, sehr schwierig heutzutage, Produkte auf den Markt zu bringen. Und wenn ich hier ein Beispiel bringen kann, ist es wirklich die Entwicklung und auch die, dass das Produkt halt marktreif ist, dass es man es industriell herstellen kann, hat uns sehr viel Zeit gekostet und auch sehr viel Mühe. Wenn man das Instrument so anschaut, sieht das sehr, sehr simpel aus, jedoch es sind die Details, die zum Haarausfall führen, sage ich immer. Und ja, aber dank unserem Partner, den ich gerne auch hier erwähnen möchte, aus dem Kanton Ricci Technology in Montpellier, haben wir es geschafft, ein Instrument herzustellen, das man auch leicht herstellen kann und natürlich dann auch in einer großen Serie produzieren kann. Et du coup, quelle est exactement la plus grande, disons, innovation pour le médecin qui utilise votre instrument? Est-ce qu'il est facile pour lui de prendre l'instrument et puis directement de l'utiliser, ou bien il lui faut quand même aussi du temps pour apprendre à comment l'utiliser?
Oui, effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, il existe différentes techniques pour traiter ces deux maladies. Mais notre méthode est complètement différente. Donc déjà, on ne voit pas qu'est-ce qu'on fait, c'est guidé par la sonographie. Mais si on peut résumer, c'est une technique qui est moins invasive, sans incision et sans création de cicatrices, qui engendre en fait que les patients peuvent retourner plus rapidement à leur activité quotidienne. Und wir haben es auch im Video gehört, es geht wie schon weiter, das ist jetzt mal das, was Sie wie quasi haben, aber Sie möchten gerne noch weitere chirurgische Eingriffe revolutionieren. Haben Sie schon irgendwelche im Kopf, wo Sie sagen, okay, da möchten wir als nächstes ansetzen? Ja, also die Idee von uns ist wirklich, dass wir diese Methode, die wir jetzt entwickelt haben mit dem Ultraschallgerät, dass wir das auch auf andere Pathologien anwenden. Und hier könnte man zum Beispiel den sogenannten Tennis Elbow, ist auch eine Art wie Canal Carpien oder der schellende Finger zum Beispiel. Und hier müsste man nur das Instrument ein bisschen anpassen, die Form, aber die Methode bleibt eigentlich genau gleich. Hört sich vielversprechend an. Edmond Soula, Mesdames et Messieurs, grand applaudissement. Vous aussi, vous pouvez rester là chez moi. Voilà encore les trois entreprises qui restent là ici chez moi sur scène. Les entreprises qui ont réussi à convaincre le jury du prix de l'innovation fribourgeois. Il ne reste plus qu'à savoir quelle entreprise vous a le plus convaincu. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est à vous de jouer, c'est à vous de prendre votre smartphone et voter pour l'une des trois entreprises. Vous allez avoir 2 minutes pour voter. Vous voyez déjà là, derrière moi, il faut envoyer un SMS au 939 avec le code de votre choix. Là, très très important, c'est Free Espace A pour Low Impact Foot, Free Espace B pour Neuria et Free Espace C pour Spirecut. Ça coûte 20 centimes par SMS, un seul vote par numéro de téléphone compte et il faut aussi encore dire que c'est uniquement pour les clients d'un opérateur de téléphonie mobile suisse. Und dasselbe natürlich noch auf Deutsch. Also, wenn ihr abstimmen möchtet, 939, das ist die richtige Nummer auf Deutsch. Genau, immer noch dieselbe. 939 schreiben, dann Free Abstand A für Low Impact Food, Free Abstand B für Neuria und Free Abstand C für Spirecut. Et pendant que vous, mesdames et messieurs, envoyez vos SMS et que la nervosité des finalistes ici augmente, je pense un tout petit peu, j'invite mon prochain invité à monter sur scène. Mein nächster Gast hier auf der Bühne ist ein bekannter Gast, darf natürlich bei einem solchen Anlass der Freiburger Wirtschaftsförderung nicht fehlen. Es handelt sich um den Präsidenten des Staatsrates und Volkswirtschaft und Berufsbildungsdirektor des Kantons Freiburgs, Olivier Curti, mesdames et messieurs. Venez là, vous pouvez vous asseoir. Im weitesten Sinne, Herr Kürt, ich darf ja jetzt schon ein paar Mal hier auf der Bühne sein. Sie sind quasi auch mit einer Innovation unterwegs. Ich weiß nur nicht genau, ob mir diese Innovation auch wirklich gefällt, wie Sie so daherkommen. Spaß beiseite, ich hoffe, Ihnen geht es gut. Ja, mir geht es ausgezeichnet. Vielen Dank, der Meniskus ist genäht. Aber Sie haben das richtig gesehen. Sie können gesehen. Mir sonst geben. In einer Innovation, ich möchte das erklären, das ist keine herkömmlichen Gehstock. Das ist ein Produkt, das ich mich verpflichtet habe zu testen während der Rekonvaleszenz. Es ist ein Stock, der die kinetische Energie sammelt und in einer Batterie und diese kann dann vielseitig und jederzeit auch verwendet werden. Also man kann den Unterteil abschrauben und ich habe mir gestern Abend meine elektrische Zahnbürste mit diesem meine Zähne geputzt ohne eine Alimentation von außen. Ja. Alors très très intéressant. Alors je pense il y a plein de gens qui aimeraient bien savoir plus, mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, n'utilisez pas ça tous les jours après parce que je pense que c'est quand même mieux de pouvoir marcher normalement. Bien. Mais tout à fait. Voilà. Vous voulez me donner les béquilles comme ça, je peux les mettre là peut-être là derrière. On va vous les redonner. Et après, tac, comme ça, vous êtes bien. Puis maintenant, il faut rester chez moi sur scène. En fait, je peux vous garder toute la soirée sur scène. Avec ce prix à l'innovation, on fête aussi le 50e anniversaire là, de la promotion économique Fribourg. Qu'est-ce que cela vous inspire si vous pensez à ces 50 ans? On a vu au début la vidéo. Alors évidemment, la promotion économique, c'est la pierre angulaire du développement économique de ce canton. Ben, on l'a vu lors de la réunion des 5-6 directeurs successifs de la promotion économique. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte le chemin qui était parcouru les 50 dernières années.
On peut le dire, on atteint aujourd'hui des sommets au niveau du développement économique, mais on reste très, très ambitieux, et puis on continue aussi cette ascension. Ben, je pense que les perspectives sont bonnes, et puis je suis vraiment confiant. Donc malgré quelques nuages au ciel, qu'on puisse poursuivre ce chemin-là les années à venir. Was wünscht man denn jemandem zum 50. Geburtstag? Ah, das ist noch schwierig. Ich bin auch 50 geworden in diesem Jahr. Ein guter Jahrgang anscheinend. Man hat mir allerhand Sachen gewünscht. Aber ich glaube, bei der Wirtschaftsförderung ist es wichtig, oder mit 50 kann man das so sagen, dann weiß man wirklich, woher man kommt. Man weiß auch sehr gut, wohin man gehen will. Ich glaube, man darf, man muss ambitiös sein mit 50. Und es geht jetzt darum, die ambitionierten Ziele, die wir uns gesetzt haben, bezüglich der Unterstützung der Freiburger Wirtschaft, dass wir das auch umsetzen können. Wichtig ist einfach, dass wir die größtmögliche Wirkung erzielen können und eben der Wirtschaft zur Verfügung stehen, um dass es wirtschaftlich weitergeht mit dem Kanton Freiburg. Et comme chaque année, là ce soir, il y a une seule entreprise qui peut gagner dans chaque catégorie. Alors avant d'arriver à la cérémonie de remise des prix plus tard, que voudriez-vous dire à tous les finalistes et peut-être aussi aux entreprises qui sont ben, là, pas sur scène maintenant, mais qui nous regardent soit, ben, soit qui sont là dans le public ou bien qui nous regardent sur le YouTube live stream? Beaucoup de choses à dire, donc je suis ébloui évidemment par la capacité d'innovation de l'économie fribourgeoise. On va passer vraiment beaucoup, beaucoup de projets. Ce soir, on va prendre connaissance de neuf. Je pense qu'il faut un peu laisser tomber notre modestie et puis il faut clairement dire, aujourd'hui on joue le premier violon au niveau de la capacité d'innovation. Et puis les perspectives sont bonnes. En tout cas, chapeau bas à notre économie qui continue à innover tous les jours. Et puis avec ça, encore une fois, on va devenir le canton, j'espère, le plus innovateur en Suisse. En tout cas, tout était fait quoi, pour que ça puisse arriver. Et puis encore une fois, les résultats sont là. Et puis continuons ensemble à parcourir ce chemin. Super, merci beaucoup, Monsieur Curti. Là, maintenant, le voting est terminé. Alors, quelque part, on va avoir l'enveloppe bientôt. On va savoir qui va gagner. Peut-être vous pourriez nous encore vite expliquer, vraiment brièvement, quels sont exactement les trois éléments qui déterminent, en fin de compte, quelle start-up remporte le prix. Il y avait ces trois piliers. Alors, c'est simple, c'est comme chaque année. Alors, si vous étiez déjà là il y a deux ans, c'est la même chose. Non, c'est un tiers. Donc, c'est un tiers, c'était le jury qui a débattu, qui a fait son choix. Après, il y avait le grand public qui a pu voter durant un mois, ça a été fait. Et puis finalement, mesdames et messieurs, c'est vous, ce soir, qui contribuez à l'autre tiers. Ça fait trois fois un tiers, ça fait le résultat. Ça fait le résultat. Und ich glaube, das Envelope, der Umschlag sollte irgendwo bereit sein, um jetzt dann gleich hier zu mir auf die Bühne gebracht zu werden. Es bewegt sich da noch nichts wirklich im Hintergrund, beziehungsweise ich sehe, dass da, glaube ich, hart gearbeitet wird. J'espère qu'on sait déjà qui va gagner. Sinon, on va continuer à parler un tout petit peu. Là, ok. Da hinten wird wirklich... Ja, ich bekomme ein Zeichen, eher gut oder eher weniger gut? Das Voting ist geschlossen, okay. Daumen nach oben, jawohl. Das, ihr seht, es ist wirklich live, hein, mesdames et messieurs, c'est vraiment live. Vous avez vraiment là envoyé vos SMS. Et puis là, il y a quelqu'un qui les a comptés là. Deux, trois fois comptés pour être à 100% sûr, parce qu'on ne sait jamais, peut-être il y a eine oder zwei Stimmen, die da entscheiden werden. Und hier kommt der Umschlag. Er wird auf die Bühne gebracht von Herr Krattiger. Der Gewinner, das Gewinnerunternehmen ist drin und übergeben an Herrn Kürti. Gut, hier ist er, der Umschlag. Und ich übergebe Ihnen das Wort. Olivier Kürti, wer gewinnt dieses Jahr Innovationspreis 2022-23 dans la Kategorie Startup? Alors, mesdames et messieurs, le prix goes to, cette année, avec 36,1% des voix, à Neuria, Société à responsabilité limitée. Bravo, Félix. Grand applaudissement, mesdames et messieurs, pour Neuria. Venez là vers moi. Voilà, comme ça vous pouvez donner le prix. Et moi, je vais aller mettre un petit peu à droite. Et là, pour vous, tac, ça c'est aussi quelque chose que je peux vous donner. Monsieur Curti, je vous le donne aussi à vous, comme ça vous pouvez directement donner le chèque, très très important. Et là, moi j'ai aussi l'honneur à vous donner ça, le diplôme pour vous, Low Impact Food. Et puis là, pour Spire Cup,
liste. Voilà pour vous. Et vous pouvez venir aussi là pour faire une photo tous ensemble. Oui, mesdames et messieurs, grand applaudissement pour ces trois entreprises, pour les finalistes. Wir haben es gehört. Sie haben sich durchgesetzt. Aus ganz, ganz vielen, genau, ein bisschen mehr auf die Seite. Là, il y a Monsieur Curti. Est-ce que vous avez besoin des béquilles de nouveau, Monsieur Curti? Ich gebe Ihnen da schon mal, ich komme da mal auf diese Seite. Voilà, noch ein, zwei letzte Fotos. Sehr gut, noch genau den Preis. Une fois monté le Trophée. Très bien, sehr gut. Ich übergebe Ihnen, Monsieur Curti, schon einmal wieder hier die Krücken. Je vous laisse descendre, messieurs, et je vais quand même aussi vite encore demander comment c'est maintenant de pouvoir gagner ce prix. Vous l'avez dit avant, vous êtes très très heureux déjà de pouvoir être sur scène. Puis maintenant, vous n'êtes pas seulement sur scène, non, vous avez le trophée et puis aussi le chèque dans la main. Du coup, c'est comment ? Merci infiniment. On est vraiment très honorés. On va faire tout notre possible pour améliorer la visibilité de Fribourg en Suisse et dans le monde au cours des prochains mois et des prochaines années. Et puis, est-ce qu'on sait déjà un tout petit peu ce qu'on fait avec ces 30 000 francs qu'on vient de recevoir comme start-up ? C'est beaucoup, j'imagine. Oui, c'est beaucoup. On va communiquer, on va continuer de développer nos projets, leurs forces scientifiques et puis de nouvelles collaborations toujours pour grandir le plus rapidement et le plus vite possible. Ouais. Merci beaucoup. Lukas Spierer de Neuria, mesdames et messieurs, das erste Gewinnerunternehmen am heutigen Abend. Ja, einer von drei Preisen haben wir also jetzt bereits vergeben. Wir wissen den Gewinner vom Startup-Preis und wir gehen zum zweiten Preis. Es ist dies die Kategorie der Unternehmen, sprich Unternehmen, die seit länger als 2017 auf dem Markt sind. La deuxième catégorie de ce soir est celle des entreprises. Il s'agit donc d'entreprises qui se sont affirmées sur le marché depuis avant 2017 et à ce stade, il peut être intéressant aussi de jeter un coup d'œil rapide sur les principaux critères utilisés par le jury pour trouver l'entreprise gagnante. Le jury présidé par le président du Conseil d'État, Olivier Curti, est composé de 13 représentants de l'économie et des autres écoles. On les a vus tout au début. Und die Jury evaluiert die eingereichten Dossiers aufgrund folgender Kriterien. Il y a le degré d'innovation technologique, degré d'innovation par rapport au marché, potentiel commercial et puis aussi la durabilité. Also auf Deutsch, technologischer Innovationsgrad wird einerseits berücksichtigt, dann der Innovationsgrad in Bezug auf den Markt, das Verkaufspotenzial und auch die Nachhaltigkeit. Ja, und folgende drei Unternehmen konnten die Jury aufgrund dieser Gesichtspunkte anscheinend am meisten überzeugen. Film ab. Die Firma Comet hat seit 2002 den Hauptsitz in Flamatt und ist weltweit mit 14 Standorten vertreten. In Flamatt entwickelt und produziert Comet mit mehr als 500 Mitarbeitenden innovative Produkte, unter anderem für die Halbleiterherstellung und die Röntgenprüfung von elektronischen Bauteilen. Die Elektromobilität wird enorm wachsen über die nächsten Jahre und damit natürlich auch der Bedarf an Batterien. Und Batterien sind kritisch, das heißt, wenn die Fehler drin haben und sogar anfangen zu brennen im Betrieb, dann wird es gefährlich. Und aus diesem Grund hat Comet eine neue Technologie entwickelt, was die Batterieprüfung und schlussendlich den Betrieb von Batterien sicher macht. Die aktuell verfügbaren Röntgenröhren sind nicht in der Lage, die feinen Strukturen innerhalb der Batteriezelle darzustellen. Das war für uns die Motivation, die Mesofokus-Technologie zu entwickeln. Die Batteriezelle mit der Mesofokusröhre abgebildet sieht so aus, man sieht die innenliegenden Strukturen klar, welche in Echtzeit durch Software-Algorithmen erkannt werden und die Serienproduktion kann zuverlässig geprüft werden. Wir sind aktuell daran, die Technologie mit den namhaften Batterieherstellern weltweit zu validieren und haben auch bereits erste an Bord. Alleine durch die Batterie ist natürlich das Wachstum schon enorm und darüber hinaus sehen wir auch noch viele Chancen, zum Beispiel
in der additiven Fertigung für die Technologie. In Murten befindet sich seit den 50er Jahren ein Standort des internationalen Unternehmens Johnson Electric. Dort sind heute knapp 480 Mitarbeitende beschäftigt, wobei sich der Standort vor allem auf die Entwicklung und Produktion von Antriebslösungen und anderen Bauteilen für die Automobilindustrie spezialisiert hat. Das ist unsere Innovation, die wir hier in Murten entwickelt haben. Das ist ein Ventil. Dieses Ventil brauchen wir für Elektrofahrzeuge. Elektrofahrzeuge haben viele Komponenten, die gekühlt werden müssen. Das ist zum Beispiel Motor, Elektronik, Batterie. Und in diesem Ventil regeln wir den Wasserfluss zur Kühlung. Und das Besondere ist, dass das Ventil einen sehr geringen Widerstand dem Wasser entgegensetzt. Das heißt, im Fahrzeug können wir kleine Pumpen einsetzen und Energie sparen. Das Zweite ist, dass wir durch spezielle Formen der Zylinder können wir die Charakteristik der Regelung ganz exakt an die Wünsche des Kunden anpassen. Dank des Trends der erneuerbaren Energie und der E-Mobilität wird es einen erhöhten Bedarf geben, Kühlkreisläufe zu regeln. Unser Produkt bringt die richtige Technologie mit sich. Das heißt, wir haben ein modulares System, das auf neue Anfragen schnell angepasst werden kann. Und wir haben eine vertikale Integration, wo wir in der Herstellung von Kunststoffrädern bis hin zur Software alles selber herstellen und damit dem Kunden eine fertige Lösung anbieten können. Implantée à Romont en 2020, la société Chromatix est spécialisée dans la production de verre solaire pour l'habillage énergétique des bâtiments. La société, qui compte une quarantaine d'employés, a développé un procédé de fabrication unique de panneaux colorés intégrant des cellules photovoltaïques. L'innovation qu'on a développée à l'EPFL, qu'on a appelée Chromatix, elle consiste tout simplement à donner de la couleur aux panneaux solaires sans utilisation de peinture ou de pigments ou de screen printing ou quoi que ce soit. C'est une déposition moléculaire qu'on fait sur la face 2 du verre solaire pour qu'il puisse donner la couleur mais sans perdre de l'énergie. Et la durabilité devient la même que celle du verre. Et donc, c'était applicable aux façades, aux toits, à la nature, dans les Alpes, les autoroutes, tout ce que vous voulez. Il y a une harmonie esthétique totale et surtout l'efficacité qui reste très haute, ainsi que la température du panneau qui est de 10 degrés inférieure à celle d'un panneau normal. Donc, on est seul à produire dans le monde cette technologie. Et on continue à faire évoluer le côté cellule, le côté couleur, les côtés design. Donc aujourd'hui, nous, on ne produit pas de panneaux standards. Ils sont adaptés à chaque immeuble dans le monde. Et c'est comme ça que ça va continuer à évoluer. Ja, das waren sie, die drei Unternehmen in der Kategorie Unternehmen. Und auch hier möchten wir sie natürlich noch etwas besser kennenlernen, ein bisschen mehr abtauchen. Und dafür darf ich als erstes Marcel Odermatt von Comet zu mir auf die Bühne bitten. Großen Applaus für Marcel Odermatt. Odermatt, das Mikrofon für Sie. Wir haben im Video gesehen, Sie machen quasi Röntgenbilder. Normalerweise, wenn ich an Röntgen denke, dann denke ich vielleicht an Herr Gürti jetzt im Moment oder zumindest an zum Arzt gehen. Wie funktioniert das Röntgen bei Ihnen? Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Ja, genau. Also ich denke, die einen oder anderen haben wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, wenn man beim Arzt sitzt und der Arzt dann plötzlich mit ernstem Blick sagt, das müssen wir röntgen. Dann ist meistens irgendetwas schief gelaufen.
Und das ist so, wie man Röntgen eigentlich kennt. Wo wir Röntgen brauchen, ist natürlich in der Industrie. Wir haben gesagt, Batterieprüfung oder auch ganz andere Teile wie Felgen von Autos. Überall, wo reingeschaut werden muss, dass da keine Fehler sind. Und schlussendlich die Physik oder das Prinzip ist genau das Gleiche. Man muss einfach sehen, es gibt natürlich ganz verschiedene Typen von Röntgengeräten. Wenn man bei einem Zahnarzt ist zum Beispiel, der hat ein ganz kleines, der Arzt hat ein größeres. Am Flughafen ist sogar noch so ein Rollband, wo die Koffer durchfahren. Und in der Industrie sind es eben noch größere Anlagen, die zum Teil sogar in der Produktionslinie integriert sind. Dans la vidéo, on a entendu parler de cette technologie Mesofocus. Peut-on expliquer cette technologie Mesofocus en termes très très simples pour moi surtout. Vous, je ne sais pas, mais pour moi. Bon, en termes très très simples, c'est toujours difficile pour une technologie relativement sophistiquée. Mais je vais l'essayer. Alors, jusqu'à maintenant, on a déjà inspecté depuis longtemps dans l'industrie comme des chantes pour les voitures. Il faut faire sûr qu'ils sont bons, la production était bonne. Pour ça, on a une bonne technologie qui permet d'inspecter très très rapidement. Mais la résolution, le niveau de défect qu'on peut détecter est limité. Et puis maintenant, avec les structures qui deviennent de plus en plus petites, comme dans les batteries, on a besoin des technologies pour voir plus de détails. Et pour ça, jusqu'à maintenant, on avait juste les modules pour les laboratoires qui sont difficiles à intégrer dans une production. Avec la technologie Mesofocus, on a réuni les avantages des deux technologies. Ça veut dire qu'on a créé une nouvelle technologie qui permet dans un module industriell d'inspecter des petits détails. Das hört sich sehr, sehr vielversprechend an und es wird auch kurz im Video erwähnt. Sie planen natürlich auch da vielleicht schon andere Anwendungsgebiete. Wo und wie in dieser additiven Fertigung, denken Sie, kann man es denn diese Technologie jetzt noch gut einsetzen? Ja, genau, additive Manufacturing oder additiv 3D-Drucken sagt man auch. Das hört man sehr viel und viele denken da natürlich an diese Kunststoff-3D-Drucker, die weit verbreitet sind, auch im Hobbybereich. Aber 3D-Druck geht sehr viel weiter. Das wird auch im Metall gemacht und das sind ganz, ganz feine Schichten, die da aufgebracht werden. Und diese Strukturen sind so fein, dass man da wirklich eine hohe Auflösung braucht, um diese zu überprüfen. Und es ist ganz wichtig, dass man eben diese in meisten Fällen unter einem Zehntel Millimeter auflösen kann und schlussendlich auch die Additive Manufacturing, die 3D-gedruckten Teile so einen Durchbruch erreichen werden. Besten Dank, Marcel Odomat von Comet. Grand applaudissement pour le premier candidat dans cette catégorie. Vous aussi, vous pouvez rester là chez moi. Et de Flamatt, nous passons maintenant à Mora. À Mora, nous allons chez Johnson Electric. Ou plutôt, Johnson Electric monte également ici maintenant sur scène en la personne de Michael Käser. Guten Abend, Herr Käser. Wenn wir uns zurückerinnern ans Video von vorhin, das wir gerade gesehen haben, dann hat man gesehen, okay, Sie stellen Ventile her. Warum konnte man mit diesem Produkt jetzt etwas schaffen, wo man vielleicht der Konkurrenz ein oder zwei Schritte bereits voraus ist? Also wir hatten eine relativ neue Anwendung und haben dafür bewährte Prinzipien verlassen und angepasst. Damit konnten wir die hydraulischen Eigenschaften maximieren und wir mussten auch darauf achten, dass das Herstellkonzept möglichst einfach gehalten wurde. Und damit haben wir uns einen Vorteil erschafft. Ja. Continuez seulement. Je voulais pas vous interrompre. C'est gut. Ah, c'est gut. Also, parce qu'on a aussi vu dans la vidéo, comme quoi il y a ce système modulaire. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail justement ce système modulaire, qui peut venir et puis quels sont les marchés que vous visez? Alors, système modulaire, dans notre cas, ça se représente d'en avoir des pièces ou des subsystèmes qui sont standardisés.
c'est-à-dire on a un actionneur qui contient un moteur avec un réducteur et une électronique, une software embarquée qu'on peut réutiliser. On a une vanne qui contient des joints standardisés. Et dans notre processus d'assemblage, on a aussi regardé que ça reste en séquence standardisée. Et du coup, avec ça, on peut assez rapide répondre à des nouvelles demandes qui aimeraient changer peut-être les nombres des connexions, la forme des connexions hydrauliques. Donc on peut se focaliser sur l'essentiel et puis être très efficace. Ja, dass dieses Effektivsein oder dieses Effizientsein bei Ihnen vor Ort, das wird auch angesprochen, dass Sie quasi alles bei Ihnen machen können. Wie schwierig ist es, dass man das heutzutage eben noch so machen kann, dass wirklich eben alles quasi in derselben Firma produziert werden kann und damit eben auch schnell ist? Wir haben natürlich Herstellverfahren, wir haben globale Footprints, also Lokalitäten, wo wir unterschiedliche Herstellverfahren verwenden können und uns davon bedienen können. Und schlussendlich ist dadurch im Prinzip gesichert, dass wir einen Kostenvorteil haben, weil wir können die Materialien definieren, Herstellverfahren und brauchen keine Zwischenhändler. Und damit haben wir eigentlich diesen Vorteil, ja. Ich nehme aber an, es ist heutzutage auf dem Markt nicht mehr unbedingt ganz so einfach, das wirklich eben so auch zu konzentrieren zu können als Firma. Ja, wenn es einfach wäre, bräuchte es uns ja nicht. Also. Besten Dank, Michael Käser. Großen Applaus für die zweite Firma, Johnson Electric. Et puis, dans cette catégorie, bien sûr, on a aussi une troisième entreprise qui concourt pour le prix tant convoité dans la catégorie entreprise. Il s'agit de l'entreprise Chromatix, représentée ce soir par Rafik Hanbali. Veuillez me rejoindre sur scène. Applaudissements nourris pour Rafik Hanbali. Voilà, je vous donne aussi le micro. Bonsoir, monsieur Hanbali. On a vu dans la vidéo, vous vous faites des panneaux solaires, ou bien pas vraiment les panneaux solaires en soi, c'est surtout aussi la technologie justement avec ces molécules. Quel était le moment ou bien l'élément décisif pour se mettre à la recherche d'une telle solution moléculaire? Alors, d'abord la raison, c'est qu'il fallait donner de la couleur aux panneaux solaires, mais sans utiliser de peinture pour la durée de vie et l'efficacité. Alors, cette couleur qu'on donne, c'est sur le verre solaire qu'on appelle extra clear. Après, vous mettez derrière la technologie de cellules qui est toujours la plus moderne. Et on participe à cette aide et on produit tout ici à Romont. Donc, voilà, la raison est celle-là. C'est-à-dire, pourquoi habiller les immeubles? Parce que ce sont les plus grands émetteurs de CO2. Ce ne sont pas les transports et tout ça. Donc, il fallait les habiller. On ne peut pas mettre sur des façades, sur des toits et à l'extérieur, des panneaux chinois noirs partout. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est du coup aussi possible de nous expliquer d'une manière très simple, de nouveau, quelle a été la difficulté de développer cette couche moléculaire de laquelle vous parlez? Alors, c'est un design et la difficulté, c'est que comme principe, on a un principe de compliance, c'est-à-dire on n'utilise que des matériaux inertes. Parce que dans 100 ans, il va être recyclé. Et on ne veut pas que ça dégage du cadmium ou des choses comme ça. Donc, il fallait trouver que des produits naturels inertes. Ça, c'était une première difficulté. La deuxième, c'était de passer au stade industriel. Parce que je vous rappelle, ça fait 11 ans ou 12 ans qu'on a fait ça. Et à l'époque, personne n'y croyait. Donc, on n'arrivait pas vraiment à industrialiser pour voir est-ce que c'est valable, ça fonctionne et tout ça. Et on a fini par le faire. Et on a aussi entendu que le panneau chauffe moins que les autres panneaux, environ 10 degrés de moins, si oui, je me rappelle bien. Oui, 9 à 11 degrés. Mais ça, ce sont pas... On a envoyé ça au SUPSI pour que ça soit certifié et qu'il fasse les tests scientifiques. Ce chiffre que je vous ai donné, il vient des projets qui ont fait des douzaines de projets dans le monde. Et ça vient de là, c'est-à-dire que chaque fois, on mesure quelle est la température, la production, etc. Et on est toujours 9-10 degrés de moins. Et la raison, donc, oh, je ne vais pas entrer dans le côté technique, mais très grosso modo, d'abord, ce n'est pas du noir. Le noir, c'est celui qui absorbe le plus, avec l'infrarouge qui chauffe et tout ça, et nous, on n'a pas ça. On n'a pas cette partie qui chauffe. Enfin, on a moins, voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un traitement de surface qui est très spécial, du panneau, qui fait qu'il ne se salit pas. Il a besoin de beaucoup moins d'entretien.
Et comme conséquence, il chauffe beaucoup moins. Et du coup, vous avez ces deux aspects et vous avez justement aussi l'aspect du design. Il est comment le feedback des clients? Justement, ce n'est pas un panneau noir comme on les connaît encore. Oui, alors le feedback, il faut, pour comprendre, il faut voir les trois applications, les trois secteurs. Donc le premier, c'est les façades. Donc ça ressemble à une façade, techniquement à une façade normale, sauf qu'elle produit beaucoup d'énergie. L'un des projets qu'on a fait, l'un des plus anciens, car ça a commencé à opérer au Danemark, il est en train de produire 52-53% de tous les besoins d'énergie de l'immeuble. Donc les façades. Ensuite, vous avez les toits, qu'on peut faire sous forme, donc c'est un panneau plat, mais vous avez l'illusion que ce sont des briques ou des tuiles. Et on le voit comme ça, alors que ce ne sont pas des tuiles. Il produit beaucoup d'énergie, comme un panneau normal, sauf qu'il a cette forme et beaucoup plus de durabilité. Maintenant, pour le prix, la façade et tout ça, on est pour une façade, disons, entre 100 et 200 francs plus cher qu'une façade normale. Mais le return on investment, c'est-à-dire la différence, est payée avec le prix d'énergie aujourd'hui, elle est payée en 3 à 4 ans. Vous avez payé la façade. Oui. Et la troisième application, je vois qu'il y a beaucoup de disputes en Suisse entre la priorité à l'énergie et pas dénaturée. Par exemple, dans les Alpes, les espaces non constructibles, comment mettre des Alpes? Dans les Alpes, des panneaux solaires. Et nous, on a pris les premiers projets où vous ne voyez pas les panneaux, parce qu'ils sont verts, ils sont de la même nature que la couleur de l'endroit. Et produisent la même chose en énergie que des panneaux de haute efficacité. Voilà les trois applications. Définitiv ein Produkt mit Zukunft. Großen Applaus auch für Rafik Hanbali von Chromatix. Vous aussi, vous pouvez rester là, chez moi, sur scène. On connaît du coup maintenant les trois entreprises de la catégorie entreprise. Das heißt, wir möchten natürlich jetzt auch hier wissen, wer denn gewinnt in dieser Kategorie. Pour rendre cet hommage, j'invite maintenant un autre invité à me rejoindre sur scène. Il s'agit du président de la direction générale de la BCF, Daniel Wenger. Großen Applaus. Guten Abend, Herr Wenger. Ich glaube, das Mikrofon ist noch an, oder? Funktioniert noch? Es sollte? Ja. Ah, sehr gut, funktioniert. Wir kommen vielleicht auch zuerst kurz mal zurück, nochmal auf den 50. Geburtstag. Pour souhaiter un bon anniversaire à la promotion économique de Fribourg, quels sont les meilleurs vœux à formuler? Je vous demande, moi je vous pose la même question, comme à M. Kirchi. Je souhaite à la promotion beaucoup de patience, d'énergie et de ténacité. Car je sais, ce n'est pas évident de s'affirmer par rapport aux autres cantons. Wie wichtig ist es, eine gute Wirtschaftsförderung im Kanton Freiburg zu haben für eine Bank wie die Freiburger Kantonalbank? Für uns ist es sehr wichtig, weil eine der Kernaufgaben der Bank ist die Unterstützung der Freiburger Firmen. Und mit der Wirtschaftsförderung können wir die Basis der Wirtschaft verbreitern mit der Ansiedlung der neuen Firmen. Sie dürfen jetzt dann gleich den Preis vergeben, den Innovationspreis für Unternehmen. In diesem Innovationspreis ist das Wort Innovation. Was für Attribute verbinden Sie mit diesem Wort Innovation? Auf der einen Seite ist es für mich Kreativität, es ist Neugierde und vor allem Durchhaltevermögen und Durchhaltewillen. Und das haben Sie definitiv, all diese Firmen, die wir bereits jetzt auch hier auf der Bühne haben und begrüßen durften. Et puis, quels sont les mots que vous aimeriez donner aux entreprises qui ont atteint la finale, peut-être aussi pour l'avenir, parce que justement, il y a malheureusement toujours qu'une entreprise qui gagne. Tout d'abord, félicitations pour vos réalisations. Et surtout, gardez cet esprit et fin de pousser les limites de plus en plus loin. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, das hat doch schon mal auch noch einen Applaus verdient. Sie können mir sonst, genau, nein, wir haben beides in der Hand, das funktioniert. Vous avez le corpus delicti in der Hand und bereits geöffnet und Sie wissen es bereits, haben es nur noch nicht gesagt. Wer ist das Gewinnerunternehmen in der Kategorie Unternehmen am Innovationspreis 2022? Also der Unternehmerpreis 2022-2023 geht an die Firma Comet AG. Herzliche Gratulation. Großen Applaus für die Firma Comet AG aus Flamatt. Kommen Sie zu mir rüber. Sie können hier einerseits einerseits bekommen Sie jetzt dann gleich in die Hand gedrückt. Das Mikrofon können Sie mir sonst geben, weil sonst haben Sie dann plötzlich keine Hand mehr frei. Wow.
Voilà, einerseits die ersten Fotos, die geschossen werden. Sehr gut, und ich übergebe Ihnen, Herr Wenger, auch noch hier den Check. Den können Sie vielleicht auch noch gleich mit auf das Bild nehmen. Und zwischenzeitlich überreiche ich Ihnen, voilà, le diplôme pour vous. Merci à vous. Und natürlich auch noch hier das Diplom für Johnson Electric. Et puis vous pouvez aussi aller un tout petit peu plus proche pour faire une photo tous ensemble, die drei Finalisten mit dem Gewinnerunternehmen der Comet AG de Flamatt. Voilà, genau, ein schönes Foto zusammen, schön in der Mitte der Bühne, genau, den Preis schön in die Luft heben, jawohl, genau. Es fotografiert sich besser avec des grands applaudissements. Super, merci beaucoup, messieurs, danke schön. Das war es also, ja genau, hier noch ein richtig großes Ohr. Genau, es ist also nicht nur Marco Odermatt, der gewinnt, sondern auch Marcel Odermatt gewinnt Preise hier auf der Bühne. Ich lasse Sie auch wieder Platz nehmen. Merci beaucoup. Sehr gut. Ja, und von diesem zweiten Preis, von dieser zweiten Kategorie, on va maintenant passer à la troisième partie. Troisième catégorie, l'innovation, ce n'est pas seulement de la recherche et du développement, c'est aussi une conscience écologique fondamentale pour le monde du demain, de demain. Et puis, c'est pourquoi aussi le prix d'innovation remet cette année de nouveau une mention économie durable. Und auch in diesem Jahr wird dieser Nachhaltigkeitspreis vergeben. Und ihr habt es zu Beginn bereits kurz gehört. Es gibt einen Unterschied. Bisher war dieser dotiert mit 6.000 Schweizer Franken. In diesem Jahr wird dieser ebenfalls mit 10.000 Franken dotiert sein. Es heißt also, dass dieser Nachhaltigkeitspreis nun definitiv dem Unternehmenspreis gleichgestellt wird. Dans cette catégorie aussi, nous avons bien sûr trois finalistes que nous voulons vous présenter un peu plus en détail. Et voici les trois entreprises en lice choisies par le jury pour cette mention. C'est sur le site d'Agrico à Saint-Aubin que la société Alvair s'est installée. Créée en 2017 par Minet Ouran et MyBrit Biscoff Bridges, l'entreprise et sa dizaine de collaborateurs souhaitent contribuer à une alimentation plus durable. Chez Alvair, nous avons développé toute une gamme de produits eau protéinée à base de la microalgue, la Golden Chlorella. La Golden Chlorella, c'est notre innovation. C'est une microalgue qui est neutre en couleur et en goût. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à intégrer dans le quotidien. Notre objectif, c'est d'aider les gens à diminuer leur consommation de viande avec une protéine qui est encore meilleure grâce au fait qu'elle est très riche, pas seulement en protéines, elle a naturellement 40% de protéines, mais aussi en micro et macronutriments comme le magnésium, potassium, zinc, vitamine B, le fer, les oméga, les caroténoïdes. Ich habe 15 Jahre lang bei DuPont und Nestlé für alternative Proteine gearbeitet und es wurde mehr und mehr klar, dass Ackerland die Problematik sein wird. Deswegen haben wir in die Mikroalgen reingeschaut. Mikroalgen sind grün und haben sehr starken Geschmack und das wollten wir verhindern. So haben wir eine Fermentation angefangen und damit haben wir die Golden Chlorella entwickelt, wo Sie die Produkte schon auf dem Markt sehen. Und in der Zukunft haben wir eine große Neuheit. Wir haben jetzt auch Diamond Chlorella, das noch neutraler im Geschmack und weiß in Farbe ist. Die 2019 in Givisier gegründete Firma Eco2 bietet eine Lösung, mit der die Gebäudeheizung energetisch optimiert werden kann. Die Firma hat ein smartes Heizungsmanagement geschaffen, das den Energieverbrauch senkt und den CO2-Fußabdruck der Gebäude minimiert. Wir sehen hier die Heizungsregulierung, wie sie sich in allen Gebäuden der Schweiz befindet. Diese Regulierung kennt nur die Außentemperatur.
Mit unserem Gerät können wir auch die Information über die Innenraumtemperatur und die Wetterprognosedaten liefern und so die Regulierung optimieren und etwa 10-20% Heizenergie einsparen. Nos clients sont les propriétaires immobiliers institutionnels qui font appel à notre solution Building Intelligence. Nous optimisons aujourd'hui environ 750 bâtiments dans toute la Suisse avec des projets en France, en Allemagne et en République tchèque, où l'on vient d'ouvrir notre première filiale européenne à Prague. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine de collaborateurs et nous avons l'ambition de devenir leader international dans notre secteur. Créée en 2013 par Lino Peverada, la société PMF Systems et sa douzaine de collaborateurs sont installés au Marly Innovation Center. L'entreprise conçoit des structures tubulaires grâce à une technique d'assemblage brevetée. Déjà équipée d'un configurateur intuitif en ligne, la société s'est lancée un nouveau défi. Elle développe PMF Vision, un outil d'aide au montage. PMF Vision, c'est tout simplement un assistant de montage digital. Traduit en mots simples, nous équipons des tables de travail de caméras et de beamers et nos ordinateurs s'occupent de l'intelligence. Le but de notre innovation est d'accompagner le montage des petites et moyennes séries allant de 50 à 5000 pièces. PMF Vision est un projet non suisse pluridisciplinaire. C'est une collaboration étroite entre PMF, l'École d'ingénieurs de Fribourg, le CIS et l'HEG. La première application de notre invention sont les ateliers protégés, où un montage étape par étape et un contrôle de qualité sont requis. Le projet PMF Vision, c'est pour nous une réelle opportunité de monter en compétence dans le digital. Du côté durabilité, nous avons à cœur cette thématique et pour cela, nous venons de terminer une étude avec l'HEG pour une notion d'économie circulaire. En effet, ce qu'on aimerait faire, c'est introduire une notion de cashback de nos produits pour enfin rapatrier nos installations, les démonter et faire une réutilisation directe de nos composants. Ja, das sind ja also die drei Unternehmen, die ein besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit richten und es geschafft haben, die Jury zu überzeugen. Je vais donc commencer par inviter Mine Uran d'Alvair à me rejoindre sur scène, denn auch von Ihnen möchten wir natürlich mehr erfahren. Großen Applaus für Mine Uran! Guten Abend, Frau Uran. Schön sind Sie hier bei mir auf der Bühne. Wir haben im Video gesehen, Sie haben viele verschiedene Produkte bereits mit Ihren Algen entwickelt. Können Sie kurz eine kleine Zusammenfassung geben oder vielleicht auf die Produkte, auf die Sie am meisten stolz sind im Moment, die Sie haben? Ja, erstmal vielen Dank, dass wir eigentlich hier sein dürfen. Das ist eine total große Ehre für uns. Weil wir eigentlich eine ganz große es ist eigentlich einen schweren Weg vor uns haben, weil Mikroalgen zu essen ist nicht normalerweise eine gewöhnliche Art und Weise zu essen. Wir haben versucht, die Produkte so viel wie möglich ähnlich zu machen, dass es dann ihnen eigentlich auch genauso schmeckt. Deswegen zum Beispiel, ich bin ganz stolz auf unsere Pasta, weil unsere Pasta hat 20% Protein und schmeckt wie Pasta. Also, und das ist eigentlich sehr wichtig, weil wir wissen, und das ist auch wichtig, besonders in unserer wirtschaftlichen Lage. Es gibt unheimlich Familien, die eigentlich dann kein Fleisch mehr kaufen können. Mit diesem Pasta können die eigentlich
ihre Kinder ernähren. Und die Kinder sind glücklich, die müssen nicht Fleisch essen. Und dadurch können wir richtig was gewinnen für die ganze, nicht nur an der Durabilität, aber auch in wirtschaftlicher Seite. Und eben auch für eine ausgewogene Ernährung eigentlich sorgen dann im Endeffekt. Und wenn Sie jetzt eben diese Produkte haben, gibt es dann auch noch etwas, wo Sie sagen, ah, da sind wir noch nicht so weit. Wir würden da gerne noch ein bisschen weiter sein, weil irgendwie muss man eben das Produkt auch ein bisschen so verkaufen, dass es der Endkonsument teils vielleicht gar nicht so merkt. Denn eben, er will Pasta essen zum Beispiel, oder? Natürlich, das ist, da machen wir immer wieder weiter. Auch genauso, zum Beispiel bei Pasta haben wir jetzt unsere Trocknung geändert, dass die Trocknung schneller läuft. Und wenn das schneller ist, dann ist es eigentlich besser, wenn man das kocht. So, das sind die Kleinigkeiten, nicht nur Geschmack, aber auch die Bissigkeit und so weiter, wo wir arbeiten. Und ganz am Ende im Video haben wir es gesehen, Sie haben gesprochen von Diamond Chlorella, Sie hatten bis jetzt Golden Chlorella. Können Sie uns kurz da, also man hat gesehen, es ist ein farblicher Unterschied schon mal. Ja. Was ist sonst eben, also ist es vor allem die Neutralität des Geschmacks oder gibt es noch andere spezielle Sachen? Ja, also es gibt zwei Dinge. Natürlich Neutralität des Geschmacks haben wir noch besser geschafft, weil weil wir eigentlich auch nicht mehr sogar diese gelbe Farbe haben. Die gelbe Farben sind eigentlich nicht schlecht. Es kommt eigentlich von Keratonin, also ist nicht schlecht, aber hat einen bestimmten Geschmack. So damit haben wir den mit deswegen denken wir, dass wir unheimlich stark in Milch ersetzen können in der Zukunft. Das ist wichtig. Die zweite Sache ist eigentlich, es gibt einen Teufel in der Industrie, in dieser Industrie, und das heißt Methocellulose. Methocellulose ist ein chemikalische Bindung, und diese Bindung ist, das muss man eigentlich in der Formulation immer wieder und immer wieder benutzen, drumherum geht es man nicht, das ist nur 1 oder 2%, aber es ist immer noch ein chemisches Produkt, und das können wir mit dem Diamond Chlorella ersetzen. Hört sich sehr, sehr spannend an. Danke für die Ausführungen. Mine Uran von Alver, Mesdames et Messieurs. Die erste Kandidatin in dieser Kategorie. Vous pouvez aussi rester là chez moi. Et puis Alver propose donc davantage de protéines végétales saines. Et notre deuxième finaliste dans la catégorie durabilité cherche en gros à réduire la consommation d'énergie des humains. Nous allons maintenant découvrir le fonctionnement exact de leur système. Accueillez avec moi Beat Ackermann de Eco2 Solutions. Herr Ackermann, schön sind Sie hier bei mir auf der Bühne. Das Video hat relativ gut zusammengefasst, was Sie machen, und trotzdem möchte ich Sie fragen, so kurz erklärt, was Ihr System genau macht, weil ich denke, man kann ja nicht einfach diesen kleinen Apparat, den Sie entwickelt haben, einfach mal da hineinsetzen und dann funktioniert es. Was ist wie die Schwierigkeit, beziehungsweise ja, wie kann man das noch einfacher erklären? Also das Ziel, dass es nur einfach so funktioniert, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, ja. Ist es bereits Tatsache? Ich weiß es nicht. Nicht ganz. Nein, also wir mit unseren Geräten, die wir installieren, die Idee ist eigentlich, dass wir mit Datentechnik in den Gebäuden die Energieflüsse verstehen, im Gebäude selber, und vor allem auch optimieren. Und durch dieses Verstehen der Energieflüsse, durch das Optimieren, können wir dann Energie reduzieren. Also wir sprechen da von 15%, 20% Energieeinsparung in den Gebäuden und natürlich entsprechend CO2-Ausstoß vermindern und den Wohnkomfort erhöhen. Et vous ne voulez pas seulement rester en Suisse, vous aimeriez aussi bien être dans beaucoup, beaucoup d'autres pays. Quels sont les défis de l'expansion en fait, vers d'autres pays avec votre système et puis peut-être aussi des systèmes des autres pays? Oui. Alors effectivement, notre objectif reste de devenir leader européen.
On a déjà commencé à s'installer en France, en Allemagne, on a des projets en Allemagne, en République tchèque. Et le challenge principal, bien sûr, c'est malgré qu'on est tous en Europe, ça change quand même d'un pays à l'autre. On a ce qui est logique d'un côté ne l'est pas de l'autre. Les systèmes de chauffage d'un pays ne sont pas les mêmes de l'autre. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Hein. On est à Paris, on a des bâtiments à 400 ou plus appartements avec un seul circuit de chauffage, qui est un vrai challenge, bien sûr, pour l'optimisation. Ce qui est logique d'un côté, comme je dis, de la rivière n'est pas logique de l'autre côté de la rivière. Mais finalement, je peux dire, c'est presque comme à Fribourg. Hein. Et puis, en plus grand, donc ce n'est pas vraiment un problème. Du coup, ça peut être compliqué des fois. Des fois, ça peut être compliqué. Wie ist, wenn Sie haben eben dieses System, das Sie haben, ist eigentlich hochaktuell, wenn man eben hat mit dieser Energieknappheit, die wir im Moment haben, mit diesen Energieressourcen, die wir möglichst ein bisschen runterfahren sollen. Wie sieht es mit der Nachfrage aus? Wird Ihnen quasi, wie kann man das sagen, die Bude eingerannt im Moment? Also natürlich das Interesse an unseren Dienstleistungen, an unserer Lösung, an unserer Technologie ist extrem groß. Selbstverständlich, das spüren wir auch. Ich denke, sogar die Menschen haben ein bisschen Hoffnung auf unsere Dienstleistungen. Ist nicht immer gut, weil man kann nicht alles mit der Technologie lösen. Es braucht auch andere Ansätze. Aber ich denke, wir machen bei Eco2 unseren Beitrag für dieses Ziel 2050 auch zu erreichen. Man denke da nur an, wie das schon gesagt wurde, der Gebäudepark ist verantwortlich für den größten CO2-Ausstoß. Wenn wir 1% würden ausrüsten würden in der Schweiz, würden wir dann schon sehr viel beitragen. Ja. Besten Dank. Beat Ackermann von Eco2 Solutions, Mesdames et Messieurs. Das zweite Unternehmen hier nominiert für den Nachhaltigkeitspreis und wir haben noch das letzte, vraiment last but not least, das letzte Unternehmen, das ich jetzt begrüßen darf, c'est Lino Peverada de PMF System. Grand applaudissement pour lui et son entreprise. Monsieur Peverada. Bonsoir tout le monde. On a vu dans la vidéo un tout petit peu, en fait, justement, ce assistant de montage numérique. Je vous pose la même question, comme j'ai aussi déjà posé aux autres personnes. Votre idée, en fait, quand est venue cette idée où vous vous êtes dit, OK, il nous faut effectivement un tel assistant? Alors, l'idée, elle vient du début du Covid, en fait. Alors, quand il y a eu le Covid, on essaie d'abord de rebondir pour continuer à travailler sans utiliser trop l'argent de l'État. Donc, on avait rebondi en faisant beaucoup de parois en plexiglas. Ça, les parois Covid, on en a fait des centaines et des centaines. Et puis, à ce moment-là, on voyait que tout ce qui était un peu matériel et tout, ça freinait. Et je me suis dit, il faut vraiment développer quelque chose dans le digital. Alors, c'était déjà une idée que j'avais avant, mais pendant le Covid, on a eu le temps de faire. Donc, plutôt que rester assis à attendre, on s'est dit, on a le temps pour faire quelque chose. Et puis, je suis allé voir l'école d'ingénieurs, le CIS et la promotion économique. Tout le monde était enchanté du projet. On a monté un dossier Nos Suisses. Et puis, en 4 mois, on est passé de l'idée au projet Nos Suisses déposé. Super rapide alors. Et puis, quelles doivent être les capacités de l'assistant de montage pour qu'il fonctionne vraiment de manière fiable et vraiment aussi efficace? Alors, les ordinateurs, ils ne vont pas tout seuls. Et puis, là, je trouve que la clé qui peut faire la différence, c'est que ce soit le plus simple possible pour l'utilisateur. On vise à quelque chose qu'il ne faut pas forcément des compétences informatiques pour le mettre en route, mais que n'importe qui, en 15-20 minutes, il puisse créer son scénario qui va ensuite assister au montage pour les petites et moyennes séries. Et du coup, ça, c'est une des innovations que vous avez, mais vous avez aussi eu encore une autre innovation, une deuxième innovation dans votre entreprise. Quand vous êtes venu l'idée d'introduire justement le système aussi de ce cashback qu'on a vu avec vos systèmes que vous avez pour recevoir de nouveau des sous? Alors, j'avais assisté à des conférences à Sion, là, dans le cadre du Technopolis, où ils présentaient justement tout ce qui était un peu de la réutilisation directe des produits. Et puis, en fait, j'ai vu qu'on avait déjà tout dans la main pour faire un système qu'on démonte et puis on révalorise. On le fait déjà partiellement aujourd'hui. Mais ce qu'on doit faire, c'est vraiment encourager pour rempatrier les meubles chez nous. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit,
on va donner à l'HEG à faire une étude de marché, de modèle d'affaires qu'on pourra appliquer pour faire de la réutilisation directe. Donc ce n'est pas du recyclage, mais c'est vraiment reprendre, démonter et réutiliser directement nos produits. Parce que je pense qu'on a quand même tous un peu de responsabilité de devoir faire des petits gestes pour quand même aller dans le sens de réutilisation écologique et tout. Absolument. Et puis, vous en êtes où en ce moment? Est-ce que ça fonctionne bien? Alors, l'étudiant a fait un super beau travail, il nous a vraiment rendu un dossier. D'ailleurs, on voulait l'engager, mais il est parti ailleurs, c'est dommage. Mais je ne suis pas allé assez vite. Il a trouvé, c'était un talent, donc c'est normal qu'il ait trouvé du travail. Mais il nous a vraiment fourni un dossier où on avait vraiment une task list, une to-do list à la fin de tout ce qu'il faut faire pour faire. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, ce qui manque encore pour arriver bien à introduire ça, c'est une question d'habitude des gens, parce qu'il faut être prêt à devoir racheter quelque chose qui est peut-être déjà une griffe ou quelque chose. Et alors, je trouve que malheureusement, les grands décideurs d'aujourd'hui, c'est une génération qui n'est encore pas forcément prête à ça, mais ça va venir. Ouais. Et puis, quand il y aura aussi des encouragements pour tout ce qui est vraiment de l'économie circulaire et l'utilisation directe, on sera prêt pour tourner la clé. Ouais. Puis, on peut juste espérer. On va le faire de toute façon. Super, merci beaucoup. Merci. Lino Peverada, mesdames et messieurs de PMF System. Ja, und jetzt wird dann gleich das Adrenalin-Level ein letztes Mal steigen hier auf der Bühne, denn das war jetzt die letzte Kategorie. Ihr seht die letzten Finalistinnen und Finalisten hier auf der Bühne bei mir. Mais avant de vraiment donner ce dernier prix, avant cela, je peux bien sûr inviter la femme qui va remettre le trophée à monter sur scène. Saluez avec moi, par des applaudissements nourris, la directrice de la Chambre de commerce, Chantal Robin. Bonsoir, madame Robin. Ah, vous avez la voix, c'est tout bon. Parce que chaque fois quand oui, vous montez... Oui, parce que c'est vrai, ça a failli. C'est il y a 4 ans, je pense. Hein, failli, il y a 4 ans. Pour les gens qui n'étaient pas là, madame Robin n'avait vraiment pas de voix. Et puis là vous avez vu les petits Ricola avec vous aussi. Exactement. Voilà. Alors là, ça marche au niveau de l'interview. Là, on a déjà 3 entreprises qui sont sur scène où, justement, au niveau durabilité, ils sont très avancés aussi. Est-ce que le reste du canton de Fribourg, est-ce qu'il est déjà prêt pour cette durabilité, pour... Alors j'espère, je dirais que les entreprises, ça dépend du format de l'entreprise, bien naturellement, mais c'est une ouverture à avoir absolument aujourd'hui, puisque la pression vient du marché, elle vient des clients déjà, parce qu'on ne veut pas consommer n'importe quoi et n'importe comment, elle vient du fournisseur, puisque lui-même a la pression de ses propres clients, puis elle vient aussi des collaborateurs, puisqu'on travaille différemment. Alors, au niveau de la décarbonation, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'engagement des entreprises, je dirais, puisque maintenant, encore poussé ça de plus avec les impacts de l'énergie. Mais après, il y a tout le reste, et c'est dans les petites entreprises encore où on doit pouvoir les aider à faire ces démarches. Alors, non seulement le produit final, mais l'environnement total de l'entreprise. Et puis ça, je pense qu'on a encore pas mal de travail à faire, mais on est sur la bonne voie. Und die Wirtschaftsförderung kann da natürlich ja auch helfen. Und ich möchte gerade eben von dieser Wirtschaftsförderung, von diesem runden Geburtstag kurz zu sprechen kommen. Que souhaitez-vous à la promotion économique pour les 50 ans, ou bien pour les 50 prochaines années peut-être plutôt? Alors déjà divisé par 5 ans pour les étapes, parce que c'est très compliqué. Un vœu d'avoir une fois une licorne dans ce canton. Et je crois qu'on est bien parti, vous serez d'accord avec moi ce soir, on est bien parti puisqu'on a des vrais trésors. Alors ça, c'est un petit peu le rêve, forcément. Mais surtout d'avoir des moyens de pouvoir acter les ambitions et puis d'avoir une réglementation peut-être un peu plus allégée. Et puis surtout beaucoup de terrain. Parce que oui, on a besoin aussi d'espace, de pouvoir implanter ces entreprises. Et puis avec les talents de nos différentes écoles, hautes écoles, et puis formation professionnelle, université, là je crois qu'on a tout pour avoir les 50 prochaines années des vrais cadeaux chez nous. Super, alors ça c'était pour la promotion économique. Et du coup, que souhaitez-vous aux finalistes pour l'avenir? Alors, chacun de continuer à vivre leurs rêves, parce que leurs idées c'est au départ un rêve, et de jamais abandonner, puis je crois que c'est ce qu'ils ont fait, au risque des fois de passer un petit peu pour des fous, quelque part, mais en tout cas, dès qu'on a une idée, il faut se poser la question si elle est bonne ou pas. Et puis après, seulement s'imaginer les obstacles, mais il faut vraiment y aller.
Sie kennen die Gewinnerin, den Gewinner auch noch nicht, aber Sie haben da das, den Umschlag in der Hand. Vous pouvez prendre l'enveloppe, regarder dedans et puis vous allez nous dire qui va gagner le prix de durabilité là dans cette année 2022-2023. Alors, le vainqueur est PMF Système de Marly. Großen Applaus für Lino Peverada. Kommen Sie hier zu mir, Sie können. Vous pouvez venir ici. Et Madame Robin, je vous laisse donner le trophée qui est juste derrière vous. Voilà, einerseits die Trophäe übergeben und andererseits natürlich auch hier noch den Scheck übergeben. Und für Sie das Diplom für Eco2 Solutions. Genau, gut in die Mitte kommen für die Fotos. Ich komme ein bisschen auf die Seite. Et voilà pour vous, Madame Moran. Sehr gut, der letzte Gewinner hier, das letzte Gewinnerunternehmen. Ihr könnt auch noch natürlich zusammengehen. Ein sozusagen Familienfoto hier der Finalisten des Jahres 2022-2023 dieser Ausgabe. Voilà, tous ensemble. Voilà, le photographe dit encore un tout petit peu plus au milieu parce que ça doit être vraiment bien au milieu, bien cadré. Très, très important pour les photographes. Voilà, großen Applaus für die drei hier auf der Bühne. Besten Dank, Lino Peverani. Ich frage Sie kurz, was bedeutet Ihnen dieser Preis, den Sie jetzt hier eben mit einer Idee, die quasi auch während Covid entstanden ist, Sie haben die Zeit genutzt. Was bedeutet so ein Preis? Bon, ben, je parle pas allemand, mais je pense que vous avez demandé. Mais moi, j'ai dit en allemand, vous pouvez le dire en français. Oui. Non, mais en fait, très content, vraiment, c'est un projet qui était super. On était très bien accueillis par le CES, l'école d'ingénieurs, la promotion économique. Donc, je recommande tout le monde de faire des projets pluridisciplinaires avec tout ça. Et puis, ben, c'est cool, on a gagné la catégorie start-up il y a 6 ans, puis aujourd'hui, on gagne durabilité. Donc, c'est félicitations. C'est cool, quoi, ouais. Gros applaus, PMF Système. Et je vous laisse descendre, mesdames et messieurs. Avec des grands applaudissements aussi, c'est clair, de notre public. Ja, und meine Damen und Herren, die letzten Fotos, die sind geschossen, die letzten Gewinner, die sind bekannt gegeben. Und das heißt, dass sich der Innovationspreis 2022-2023 leider auch schon langsam dem Ende zuneigt. Es war im Vergleich zur letzten Ausgabe vor 2 Jahren wieder eine ganz normale Ausgabe, wenn man so will, ohne Masken und ohne besonderen Einschränkungen. Und das war doch schon einmal top. So kann es weitergehen, würde ich sagen. Und was sowieso immer top ist, sind die Innovationen, die es gibt in unserem Kanton, liebe Freiburger Unternehmen. Ja, in diesem Sinne, allen Gewinnerinnen und Gewinnern, allen Finalistinnen und Finalisten, auch von meiner Seite hier noch einmal ein großes Bravo. Und ich würde sagen, on peut encore une fois applaudir à tous ceux qui étaient là ce soir. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine cette remise des prix. Un immense bravo à vous toutes et à tous qui faites du canton de Fribourg une place dynamique, créative et aussi innovante. Moi, j'ai terminé ici sur scène, mais j'ai l'honneur d'inviter encore là maintenant, une fois, sur scène, Thierry Kratiger, le directeur de la promotion économique du canton de Fribourg, pour clore cette remise des prix du der Innovationspreis 2022-2023. Applaus für Herr Kratiger. Herzlichen Dank, Roman, für diese tolle Moderation. Peut-être une remarque personnelle. C'est un véritable privilège pour moi que de suivre dans les traces de mes prédécesseurs. Il y a une continuité dans laquelle le canton continue, une lancée sur laquelle on se trouve, et puis de pouvoir construire sur cet excellent travail, c'est un honneur, et je tiens vraiment à vous remercier pour tout le travail que vous avez fait. Ce que l'on a aussi vu dans le cadre de cette soirée, c'est finalement le rôle des différents parcs et sites et quartiers d'innovation dans ce canton. Une série d'entreprises qui étaient présentes ce soir sur le podium sont hébergées dans ces quartiers, parcs et sites d'innovation, que ce soit La Maillarde à Romont, que ce soit Blue Factory, que ce soit le MIC, que ce soit Agrico à Saint-Aubin. On voit que ces investissements massifs dans des infrastructures et aussi dans des terrains et de la disponibilité de terrains portent aussi leurs fruits. Ensuite, on a vu aussi thématiquement des choses intéressantes, beaucoup d'entreprises actives dans la bioéconomie, donc la valorisation de la biomasse, le food, la nutrition,
aussi des entreprises actives dans l'industrie 4.0. On a vu des solutions pour la mobilité électrique, l'intelligence artificielle, l'automation, du MedTech, du digital. Et puis, une chose qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est de voir, also dass man gesehen hat, dass der Tech-Transfer zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft gut klappt. Also wir hatten ein paar Beispiele mit InnoSwiss, auch mit der Zusammenarbeit der Universität, mit der Fachhochschule vom Kanton Freiburg, wo die Zusammenarbeit mit Gemeinschaftsprojekten gekommen sind, und das ist erfreulich. Et puis, la thématique de la durabilité qu'on a vue, avec des solutions dans le domaine des protéines alternatives, de l'efficience énergétique, de l'inclusion digitale, on ne laisse personne de côté. Pour moi, ce sont des thèmes qui sont importants dans le cadre de la durabilité. Et puis, peut-être, un Teil, wo man sieht, dass der Kanton lebt, er ist dynamisch, es gibt eine Hülle und Fülle von Innovation. Et en fait, nos futures licornes actuellement, ce sont des dragons. Et puis, notre ambition, nos ambitions sont aussi notre tradition. Et je tiens vraiment à vous remercier d'être ici avec nous ce soir. Et puis, je vous invite à partager un verre de l'amitié. Merci.